Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre Proud Mary du groupe Creedence Clearwater Revival, surnommé CCR. Alors c'est une chanson qui a été composée en 1968 par le leader du groupe, John Fogerty. Alors c'est vraiment une chanson qu'il faut connaître, hein, qu'il faut savoir jouer à la guitare. C'est ce qu'on appelle un classique du rock. Alors voilà pour la partie culturelle. En ce qui concerne la chanson en elle-même, alors, hormis l'intro où il y a plusieurs accords, moi en intro j'ai joué donc la petite mélodie du début. Hein. Donc, je vous rappelle que tout ça vous le trouvez dans la partition qui est gratuite, qui est dans un lien sous la vidéo. Alors pour les accords, nous avons l'accord de D. Ré majeur, pour ceux qui ne connaissent pas les accords en anglais, donc l'accord de D. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'apprendre les accords en anglais, hein, c'est beaucoup plus pratique. L'accord de A. Et le troisième, le plus embêtant, on va dire, pour ceux qui débutent, c'est l'accord de Bm. Je rejoue. Si vous avez du mal, ce que vous pouvez faire au lieu de barrer, vous mettez votre index uniquement sur la petite corde. Et par contre, si vous faites ça, il faut jouer que les quatre dernières cordes. Vous ne jouez pas les deux grosses cordes. Donc soit en barré, soit comme ça. Alors, pour le rythme. Moi, le rythme que j'ai joué dans la chanson, il est écrit tout en bas de la partition. C'est celui-ci. C'est le bas, bas, haut, haut, bas, haut. Je vous le montre lentement. 1, 2. Je vous conseille également de mettre un accent sur le premier bas. De dynamique à votre rythmique. Pour ceux qui n'y arriveraient pas, vous pouvez vous contenter de faire bas bas haut, tout simplement. Ça donne ça. 1, 2. Et l'avantage de ce rythme, c'est que ça vous laisse deux temps pour changer d'accord. Je vous montre. Je change 1, 2, etc. 1, 2, 1, 2. Ce sera beaucoup plus facile pour ceux qui débutent la guitare. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, un commentaire sur la vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt.